États-Unis ensemble avec Canada croqué pays d'Haïti dans colette pays Kenya. Plus passé de l'année, mesdames, mademoiselles et messieurs, pays Canada vini ensemble avec avion. Li perturbe gang yo. Li vini ensemble avec bateau. Li perturbe gang yo pirède. Les États-Unis, matin, midi, soir, pas suspend, voyez envoyé spécial. Et puis, kounya là, nous juste rete Kenya dit, oui, pas de problème, la prend tête, intervention militaire. Et non seulement ça, tout, li prêt pour le voyer 1000 policiers. Qui est-ce qui pousse Kenya à prendre décision ça? Pour qui ça dans tout pays africain, c'est Kenya, frères et sœurs bien-aimés, qui est causé pour tande complot pirate passé wanga, rale chez vous, nous pral ba ou détail. Départ journaliste vedette Radio Kiskeya, Liliane Pierre-Paul. Mesdames, mademoiselles et messieurs, selon divers citoyens qui te goût en main en bouche société. Diverses personnalités continuent à voyer, c'est parti by famille, amis de fin. Frères et sœurs bien-aimés, 82 morts violents. Enregistré pour moi hier, parmi yon, yon policier. 8 femmes, 9 bandits d'après rapport mensuel, organisation citoyen pour yon nouvelle Haïti mette dehors. Dirigeant OCMH là, M. Camille Oxius, qui critique autorité concernée yon, qui pas garanti droit population. Zak insécurité après poursuivre dans commune Cabaret. Docteur Fey Jean-Claude Gabriel ak petit garçon le Rubens Gabriel bandit est kidnappé 23 juillet 2023 la caillou dans Bélanger dans commune nan mouri assassiné d'après déclaration madame ni qui c'est Chantal Gabriel malgré famille te bail 1 million goud pour libération. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans journal tout haïtien connecté. Fouko Zami Infopaw ka présenté ou édition si la. Bonjour, bonsoir tout le monde qui janouye. Encore une autre fois, m'a dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. Zami pa ou Fouko. Non, maman m'a parlé ensemble avec ou là, tout dirigeant haïtien, capitaine intervention militaire, y aurait été ensemble avec Keyo en l'air, ta coupoule capitaine Coq. Frère, c'est ça bien aimé, faut que m'a dit, dirigeant nous yo posté sous grand riz. Y a ton nèg. Ah ah. Ça a été quelques jours depuis pays Kenya, annoncé. Li prêt pour le responsable force multinationale pour venir détruire gang yo dans pays d'Haïti. Les États-Unis, chapeau bas, c'est bien. Canada dit félicitations. Bahamas dit oui, pas de problème partenaire. N'a mettre ensemble, m'a ba 850, mettez sous 1000 pour là, fait 1150. Et puis frères et sœurs bien-aimés, premier ministre Ariel Henry dit merci beaucoup, c'est ça n'attend. Mais mesdames, mademoiselles et messieurs, pays d'Haïti qui connaît plus passé 10 missions de 87 jusqu'à journée aujourd'hui, situation la vie nous pas jamais changé, nous toujours dans crise, nous toujours dans insécurité, nous toujours dans crise alimentaire. Et à chaque fois situation ça représente, c'est là nous voyons président aller. C'est là nous tombons en transition. C'est toujours comme ça. Pas grand rien qui nouveau sous soleil pays d'Haïti. Vous voulez comprendre ça? Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, monsieur Sayo, puis yo te vin mande intervention militaire journée aujourd'hui, ya, pas oublier qui travail qui te fait. Déstabiliser. Camper di barricade, c'est avenir. Si mes âmes tout côté, yo bataille contre système, c'était qui moun ki système, non, c'était Jovenel Moïse.
Et te gen nan yon époque, les Jovenel Moïse fait monter dans tête pays ya, monsieur sa yon tap parle de souveraineté nationale puisque nous connaissons ministre fait plus passer 12 années dans pays d'Haïti, moun mouri dans choléra, jeune garçon violé, jeune femme violé. Bon, monsieur tap parle de souveraineté, woy amway, ministre pa karete. Ministre qui fait environ 13 l'année sous territoire, qui a plus passé 7 milliards de dollars qui dépensaient pour yo. Après plus passé 10 800 moun mouri dans choléra, frères et sœurs bien-aimés, eh bien, plainte te porté dans l'ONU et l'ONU te promet pour dédommager famille sa yo. Dans la vie, faut pas trop sans honte. Après dernier soufflette ça, l'ONU fin prend dans pays d'Haïti. Et dis-moi, même papa, si vous t'es ça, son équipe croquée, son équipe bonne prostituée politique qui a dirigé, mon cher, avant de prendre décision, gonjan ma imoule comme. Nan jou passé, mesdames, mademoiselles et messieurs, ou te gen secrétaire général Nations Unies, hein? Plusieurs fois dit comme ça, yon pap voye force dans le pays d'Haïti, c'est pour haïtien yon entre yon chita, pour yon jouer une solution crise là. Mais qu'on y a là, est-ce que solution crise pays d'Haïti résumé ensemble avec une intervention militaire? Faut que nous bien réfléchissions. Canada dit, moi-même, je ne vois pas nos frères. Parce que dernièrement, pendant que je t'ai perturbé gang yo en l'air, je perturbé sous la main, c'est même nèg nan gouvernement qui range gang yo qui bloque gaz. Puis on te ka joué une intervention, je ne vais pas nan causer comme ça. Et gagné premier ministre Trudeau qui déclarait dirigeant haïtien yo pa pren crise là au sérieux moun kap mouri sa pa gade yo moun ki pa ka joine sécurité sa pa gade yo parce que yo te clair frères et sœurs bien-aimés sauf force yo ap tande pour vinn touye gang yo mais zam sa yo ki nan men jeune garçon côté moun ki t'ap di camper des barricades c'est avenir. Kote nèg ki t'ap di gang yo rejoin nous pour nous touye président. Est-ce que kounya la yon force débarqué dans pays d'Haïti? Est-ce que c'est seulement ti messie ka zam yo apren, mais yo pa pren tête pensan gang nan tout nan pays d'Haïti? C'est question k'ap pose. Est-ce que n'bap fè kove? Et puis, mesdames, mademoiselles et messieurs, les États-Unis, ensemble avec Canada, qui pa vle foure bouchon nan dossier ça, parce que te a glissé. Et dans le moment, mesdames, mademoiselles et messieurs, une question politique qui a géré dans le monde, n'est-ce pas avoué l'autre semaine pour l'autre pays, si ça mal passé dans le pays d'Haïti, même j'en sa qu'on fait avant, pour ça pas venir reproche pour yon, pour ça pas venir frapper dans figure tout côté au passé, ce dossier Haïti a qu'à répéter, y aura les pieds tout doucement. Mais cause a pas fini là. Eh bien, Kenya annonce li prêt pour que les responsables force multinationales là. Kenya qui fin fait déclaration ça et li dit li prêt pour bay 1000 policiers. Mais pour qui ça c'est Kenya? Mesdames, mademoiselles et messieurs, les nan fouye zone en Kalalou, qui ça que nous joignent? Pays Kenya nan continent Afrique là. C'est youn nan pays qui gagne yon force militaire qui pa piti. Et ce pays qui toujours prêt pour que li aide l'autre les que on a difficulté pour bataille les que terroristes envahi yon pays ami yo. Et mi s'entendé les États-Unis Canada rencontrer ensemble avec autorité pays ici là. Posez. Rencontrer ensemble avec pays ici là comme étant donné de temps en temps ou toujours fait approche ou prêt pour aider etc. Gon dossier Haïti là sans penser ou apprendre non qu'on pas besoin qui est on a bon matériel n'a bail matériel on besoin qui est on a bail ou matériel pour débarquer mettre la paix mais dans moment peuple haïtien gon crise qui a traversé Kenya on crise politique. Gapil haïtien qui fait qu'on est que crise ça n'a avantage Haïti parce que Pepsi là qui a fait face à crise là, yo konn comment pour yo gérer, nous même nous pas konn comment pour nous gérer pas nous, yo a vinn gérer pour nous. Ça veut dire gang yo c'est les crises politiques là. Pas de problème. Mes petits prostituées politiques. Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, yo dit qu'il n'y a pas inquiéto, n'a pas ou matériel
pour venir pas Borisite et puis sortant de là pour faire ça pour faire. Ou pensez c'est comme ça Kenya Joss choisi dit comme ça la vienne responsable. Attention peuple haïtien. Faut qu'on bagaille. Et qu'on y a là ça qui était c'est que dans jour qu'a vini là à partir de 14 août frères et bien-aimés, faut que secrétaire général Nations Unies al bay rapport. Pas oublier dans jour passé yo conseil là t'es voté pour que gagne un rapport qui bail pour étudier toute possibilité pour comment capable aider Haïti. Donc faut yo voter résolution et les au fin voter résolution immédiatement yo accepté pour Kenya responsable pour ça. Et bien pays qui a participé yo a voyé soldats mettre ensemble et puis yo a débarqué dans pays d'Haïti, yo a dit qui quantité et puis voilà yo vinn touyer nos petits gangs et puis moun yo sanctionné dans gang a still toujours être là. Est-ce qu'on ka résout problème insécurité dans un pays sans la justice pas fourré bouche? Est-ce qu'on ka résout problème insécurité dans pays d'Haïti sans qu'on pas contrôler port ou pas contrôler douane, gon série de contrats malachong, gon série de nèg business sur ces vendes armes, vendes balles sans que nous pas contrôler? Est-ce que à chaque fois nous trouvons l'autre chrétien vivant après ça n'a pas ben n'a dit c'est les États-Unis à Canada qui voyé zam? Est-ce que nous condamnons pour nous toujours le même discours ça? Nous pas jambre responsabilité nous, mais discours ça est toujours venu chaque fois nous fin déstabiliser pays ya, chaque fois nous fin bataille pour nous tomber dans transition pour nous voler. Adje, pays a frise, n'attend yon intervention pour nous défrise li. Et tandis que nan jou passé, monsieur te dit nous, immédiatement Jovenel fin allé, pays après commencé fonctionner, automatiquement tout bagay ap tourne normal. C'est comme si peuple haïtien ou just switch group, et puis voilà. Hein? Ou te on ou off, c'est comme si pays a te sou yon interrupteur seulement, group. Et puis voilà, tout bagay recommence à fonctionner normalement. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, vini éliminer Gagnon et pour quitter André Michel là, ou quitter Ariel, ou quitter Nenel Kassi, ou quitter Valier Beauplan, ou quitter. Comment, monsieur, ça a été les têtes qui ont joué passé? Opposition radicale. Ou quitter tout nèg qui dans classe. Secteur privé qui a financé gang, ou quitte papa PHTK là, ou quitte tout volé ça yo. Et puis, quand y a l'on pral résoudre le problème de sécurité, n'a toujours dans crise. C'est ça qui est le régénérer système, non, oui. Là, on t'a parlé de régénérer système, soit te comprendre. C'est fin grasé pays, ya, fin ba jeune garçon ensemble avec jeune femme zam, bataille tout yé moun. Et puis, frères et sœurs bien-aimés, kou yon pren pouvoir, yon fait appel ensemble avec yon force étranger pour vin touye bandi yo. C'est pas pour sans raison ou éviter l'homme kampe kon sa, non? Parce que, lorsque la police pral fait opération nan base, y pa wè se la police, li wè se gang barey li, parce que nan jou passe yo, li djou li même ensemble avec chef police la, te met ensemble pour monter Phantom 609 pour déstabiliser. Mais lè que force étranger sa vini, est-ce que Franz Elbe, toute accusation se yo kapeze sou dol, li pral présenter devant la justice pour le payer pour salve? Vini tout éviter l'homme et puis nous ret la, l'autre semaine, kon président monte, li décide faire réforme, même coup de bois. Système ça là, frères et sœurs bien-aimés, depuis 1987, li pa chanm changé. Et pour comprendre le dossier intervention militaire pays Kenya, mesdames, mademoiselles et messieurs, entendez déclaration chargé d'affaires les États-Unis dans le pays d'Haïti, Eric Stromae, qui était dans le micro. Télémétropole. Maintenant pour le Kenya. Ouais. J'ai appris il y a quelques heures que le Canada, qui est votre voisin immédiat, on dit même votre vos cousins canadiens, et en fait, le Canada soutient l'annonce faite par le Kenya, qui affirme être prêt à prendre le leadership d'une force internationale, devant venir ici pour faire face au banditisme. Les États-Unis, est-ce que je peux dire que les États-Unis soutiennent aussi, ou les États-Unis et le Canada parlent le même langage en ce qui concerne la décision kényane?
Je ne pourrais pas faire un commentaire sur les commentaires canadiens parce que je n'ai pas encore vu. Mais je peux vous dire que pour nous, le fait que nos amis kenyans ont décidé de faire de bonne volonté l'annonce qu'ils sont en train de considérer de pouvoir prendre le leadership d'une telle force multinationale, c'est une très bonne nouvelle. Mm-hmm. Nous soutenons nos amis kenyans dans cet effort. Nous serons, en tant que le grand partenaire d'Haïti, un des plus grands, si pas le plus grand, je crois qu'on est le plus grand, mais ce n'est pas un débat, que nous serons là à faire le partenariat avec tous les amis d'Haïti pour pouvoir avancer cette initiative. On est très content de l'initiative kenyan. Mm. On est en train de travailler à essayer de faire notre cotisation avec tous les autres partenaires à pouvoir assister à ce qu'il y ait un déploiement multinational à pouvoir avancer la sécurité qui nous touche tous qui sont ici en Haïti pour assurer la sécurité, pour qu'il y ait une continuation de les initiatives prises par le gouvernement de transition pour avoir faire des progrès envers un système démocratique et élu. Et évidemment, la sécurité est une partie clé de cela et on est très content que les Kenyans ont pris l'initiative qu'ils ont pris et on va faire le plus que nous puissions faire pour le soutenir. Amen. En quoi consisterait le soutien ou le support des États-Unis? Il faut comprendre que ça, c'est un processus assez complexe. En première place, il y a une question de, si vous avez bien constaté la déclaration faite par les Kenyans, il doit en avoir une déclaration faite par les Nations Unies à soutenir une force multinationale. Exactly. Ça va indiquer les détails d'exactement ce que c'est prévu par la communauté internationale à travers les Nations Unies. Dès que ça s'est établi, que nous allons travailler avec nos amis à pouvoir faire une telle résolution, il y aura une déclaration, une constatation qui est en cours par les Kenyans comme leader et avec les autres partenaires d'exactement ce que c'est prévu. Et il y aura un appel pour trois différents sortes de soutien à travers la communauté internationale. Mmh. Il y aura un appel pour des soutiens en ce qui concerne des autres forces. C'est pas simplement les Kenyans qui devraient venir, c'est multinational. Il y aura un appel pour des soutiens fiscaux et aussi bien un appel pour des soutiens multiformes, d'assistance logistique peut-être ou d'autres cotisations qui pourraient être faites en équipement ou de formation qui pourraient assister le déploiement d'une telle force. Alors, les États-Unis vont être impliqués, j'en suis certain, dans tous ces trois domaines. Exactement comment? Ça dépend de comment ça a évolué. C'est trop tôt pour dire exactement comment. Mais je suis sûr et certain que la rôle américaine sera très, très grande et sera comme une partenaire, mm-hmm. comme on est depuis très longtemps, parmi les plus grands qui assistent à Haïti depuis très longtemps. Et dans ce contexte aussi, on y sera. Okay. Une dernière question, monsieur le chargé d'affaires. On pense à la police nationale, on pense à l'armée d'Haïti? Il faut dire que par la police nationale, je veux prendre l'opportunité de saluer les efforts héroïques. La police nationale a des grandes responsabilités. Je suis rassuré par les efforts qu'ils font. Ils ont les contraintes qu'ils ont en même temps. Mais ils font un effort héroïque et je salue les policiers qui mettent leur vie en ligne jour par jour pour défendre le plus qu'ils puissent faire avec les ressources qu'ils ont disponibles. Parlons de la FAD. Il y a des contraintes légaux sur l'assistance directe que les États-Unis puissent faire à la FAD. Mais rien n'empêche à des tiers pays, s'ils veulent s'engager avec la FAD, au moins qu'il n'y a pas de technologie américaine qui est concernée, à des tiers pays, ils ont le droit d'engager, Haïti est un pays souverain, les tiers pays étant des pays souverains, si quelqu'un décide que la FAD, c'est quelque chose qu'ils veulent assister, un autre pays, ça c'est à l'heure de décider. Mais il y a des contraintes très aiguës et notre pensée, au moins au niveau du gouvernement américain, c'est que le renforcement et le premier organisme clé pour la sécurité ici en Haïti à ces jours, c'est la PNH. Et alors, nous avons un programme de longue durée qui est là d'engager avec la PNH. Mm-hmm. On continue de faire, à l'instant, je crois que c'est un programme de 120 millions de dollars. Wow. Et on va continuer à faire ce soutien à la PNH. Wow. Et sans doute à renforcer les efforts d'autrui, y compris probablement les Kenyans, s'ils décident de faire ce qu'ils proposent, à être côte à côte avec la PNH, à les renforcer, à pouvoir fournir des assistances dans le contexte d'une décision des Nations Unies d'exactement ce qui sera requis à renforcer les capacités de la PNH. Maintenant, dernier mot à Kounila, comme nous t'entendons, on t'a dit qu'on ne peut pas rester longtemps parce qu'on a un agenda chargé.
Et M. Strohmeyer, ma praplo, c'est chargé d'affaires américain depuis une année ou en Haïti. Et une année qui est extrêmement difficile pour vous en termes de responsabilité, de décision à prendre. Bah, pas de facile, en pile insécurité, en pile monde kidnappé ou vivre ça en Haïti, même genre avec tout Haïtien. Yo. Dernier mot côté Cabano, c'est à qui ça le décaille, M. Strohmeyer? Nous pourrons continuer notre travail. L'ambassade, ça, est ouvert, n'est pas fermé. Nous avons une grande inquiétude sur le plan humanitaire qui souligne le programme que nous continuerons à faire, y compris pour l'insécurité de le peuple haïtien, mais aussi par rapport à l'insécurité qu'on a constatée, le kidnapping des citoyens américains. Dernièrement, une infirmière qui a passé sa vie à essayer de les Haïtiens qui est kidnappé par ces gangs avec son fils, paraît-il. Ces sortes de choses nous inquiètent. Nous soulignons nos capacités à continuer. Et l'ambassade là, l'est ouverte, l'est prête à continuer l'engagement. Nous. On parle un mot pour Gangyo. Pour Gangyo? Qui est responsable du kidnapping ça? Par rapport à Gangyo, ça c'est ennemi pour tout le monde. Et nous prête à continuer à lutter, à voir comment nous progresser pour assister la force de sécurité ça, et la PNH en particulier, pour faire face à des défis ça, pour améliorer l'avenir d'Haïti, qui est ce que nous gouvernons tous pour essayer de faire. Amen, alléluia, mon Dieu. Madame, mademoiselle et messieurs, comme ça que belle dans tout disant ça, c'est que nous avons une équipe militaire là. Même mon foi, nous pas jamais essayer ensemble avec yo. Même mon foi, nous pas jamais de matériel pour yo, mais n'a demandé de yo parce que nous pas vle ça yo puissant. Nous pas vle que yo gen contrôle la situation. Nous pas vle yo capable mettre sécurité parce que si nous ba au matériel à n'importe qui moment, nous pas faire petite transition nous encore. Comprendre ba yo. Ça c'est yon. Et pas oublier, secrétaire général Nations Unies a toujours pesé sous parti ça. Une force non onisienne avait dit bien fait pas sous contre nous, mal fait pas sous contre nous. Comme son pays noir qui responsable, son pays noir débouillé nous. En tout cas, qui vivra verra, qui mourra kakara. Mesdames, mademoiselles et messieurs, chay saute sous tête, li tombe sous épaules. L'homme Liliane Pierre-Paul qui te goût en mer nan bouche divers citoyens dans société ya. Présentatrice journal 4 Kiskeya t'est engagé dans lit pour la presse libérée. Divers personnalités nouvelles ça affecté voyez sympathie by famille amis de fin. En suive yon papier ensemble avec Kimberley. Liliane Pierre-Paul fête dans commune Tigouave dans l'année 1953. Les mouilles à l'âge 70 l'année. Liliane Pierre-Paul, proche li te konre li Lili, c'était une femme vaillante qui t'a milité depuis plus passé 35 l'année dans l'idée pour tout citoyen t'es capable de dire ça ou penser sans difficulté. Il était président Association Nationale Média Haïtien ANMH pendant 2 fois. Pendant toute vie li, Liliane Pierre-Paul t'a bataille pour construction une société libre, égalitaire et une société qui est juste. Pendant l'année 1980, yo, ancien journaliste radio Haïti Inter t'a gagné une réputation comme yo une femme critique qui était pire redoutable face à régime Bodi Duvalier yo. Comme ancien journaliste radio Haïti Inter, Liliane te compte présenter journal 9h nan soir sur radio Haïti Inter dans l'année 70 yo, ensemble avec défunt journaliste Anthony Pascal, tout le monde te connaît son nom comme Philo. Li même tout li mouri yo 31 juillet dans l'année 2020. Comme jeune journaliste, Liliane Pierre-Paul connaît un pile mauvais moment sous régime Duvalier yo. Yo te bat li, matirisé li, mettel nan prison et puis exilé li. Moment ça yo et d'elle construit yon nom qui sonne fort journée jodi an dans société haïtienne nan, en général dans presse haïtienne nan en particulier. 7 mai 1994, il était participé dans fondation Radio Kiskeya ak Zamil Marvel Dandé ak Chony Bastien. Ensuite, il impliqué comme directrice programmation ak secrétaire conseil administration institution. Il était participé dans fondation Association Nationale Média Haïtien ANMH en 2001 qui d'après lui t'a favorisé pluralisme, démocratie ak liberté la presse. En 1990, Liliane Pierre-Paul t'est pris courage en journaliste Fondation Internationale Média Féminin. En 2014, lauréat prix Walk Cadet SOS Liberté. En 2020, journaliste Valérie Numa t'est rendu un hommage dans une cérémonie bien spéciale. Figure emblématique presse haïtienne n'a quitté nous, Liliane victime d'une crise cardiaque dans la date qui était lundi 31 juillet 2023. Fédération Nationale Vaudouisant Haïtien KNVA voye sympathie by famille, amis journalistes là.
Depa Liliane, c'est un gros coup pour pays, d'après dirigeant KNVA, Alix Compa, qui rappelait des fins, c'était un vaudouisant qui était engagé dans la bataille vaudou dans le pays d'Haïti. Entendez Compa. Étoiles-là, filet l'allée. Yons étoiles qui étaient nous. C'est comme ça, avec gros qui a sauté. En pile la peine, dirigeant KNVA, là, nous t'étendons, nouvelle ça, à circuler dans tout pays. Liliane Pierre-Paul, c'était une vaudouisante qui était engagée dans la bataille vaudoua et dans la bataille pays. Liliane Pierre-Paul, c'était une grand conseiller KNVA. De 2007 jusqu'à sa mort, il a toujours été bon côté secteur vaudoua. Il vit vaudoua. Il est habillé avec vaudou. Comme vaudouisant, il toujours conseiller nous. Comme conseiller, il conseille nous tout bon chemin pour nous prendre. Il avait une cassure en 2015 entre deux branches dans KNVA qui devait faire deux branches. Il y a une branche Augustin Saint-Cloud que moi-même mettais beaucoup d'Augustin Saint-Cloud. Une autre branche avec Mambo Evoni qui devançait nous tout qui jambé. Liliane Pierre-Paul te jouait toute sale qu'on est. Pour ce n'est pas la justice pour qu'il te tranché. Mais c'était lui-même comme vaudouisant qui bat nos micros. Qui évitait nous chitavel, qui fait arbitre. Nous perdu yon vaudouisant, yon vaudouvi qui était engagé dans le combat vaudoua. Nous perdu yon moun qui était engagé dans le combat pays. Nous regrette ça en pile. KNVA pa non pam, pa vwa pam, l'a dit ou koukou, pou nam soya, pou nam Liliane Pierre-Paul, pou nam Lili pa nouan. 4 heures, chaque après-midi li fait 4 heures. Nous pas p'tain de nouvelles ça encore. Nous pas p'tain de voix ça encore. Pays a perdu une charmante voix. C'est comme ça la vie, c'est la mort. La mort, c'est continuité de la vie. Pendant qu'on a prié Papa Legba, à Tibon Legba, pour l'ouvrir toute porte, on a dit mettre à Goué, recevoir un homme soeur pour nous. Faire l'entrée dans toute purification, yo, pour continuer Vili, même avec maîtresse Ezuli Frida. C'est comme ça de pour te fête, faut aller. Mais dans le moment que KNVA, plus besoin Liliane d'y aller. Nous perdu vaudou via, nous perdu conseiller noir. Nous continuer à dire coucou pour nous sur nous et nous continuer pour nous dire avec toute famille en courage, c'est ça la vie. Liliane devant, nous même nous derrière. Et pour ça, les qui ton goût amer dans bouche nous. Même Jean, il était toujours conseiller nous toutes et lorsque tu gagne funérailles de Max Beauvoir, il était présent avec nous-mêmes pour la ba nous support. Les Rachel Beauvoir mourit comme conseiller KNVA était là avec nous. Elle était toujours rempli mission valablement. Et nous perdu une conseillère qui pat n'a pas pris avec personne. Lorsque grand conflit qui surgit dans le niveau KNVA, Liliane Pierre-Paul, ce noir, il relait tout le monde, il bon côté au tort, côté au raison, elle bail tout le monde côté au tort, côté au raison, elle montrait c'est avancer pour avancer. Ça n'a fait l'alpa pour nous, ce travail vaudouisé, ce travail pays. Adieu Lili, notre sœur. Allez en paix, sœur. N'a pas continué à jeter de l'eau, les mes baleines, fauter basilic pour mettre à goût recevoir dans nous et pour continuer à vivre dans nous-mêmes. Nous-mêmes, comme vaudouisants, nous liés avec moun qui mourit. Et comme nous toujours disons, la mort son passage obligé, l'esprit est vivant parmi nous. Chaque temps que nous besoinons, Lili, d'après l'eau. Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti. OCNH présenté rapport mensuel li pour moi JEA sous phénomène insécurité cap saccagé pays a pour moi JEA pays a enregistré 82 morts violents parmi yo yon policier 8 femmes 9 bandits d'après dirigeant OCNH la Met Camille Oxius qui critiquait autorité concernée yo qui pas garanti doit chaque citoyen qui lance un appel by gouvernement pour le prendre disposition nécessaire pour poser bon genre action pour garantir sécurité en dedans pays. Suite à question insécurité qui a fait rage dans pays depuis quelque temps, au CNH n'a souci pour porter une contribution citoyenne engagé côté chaque mois li fait un rapport sous mort violente yo. Et pour moi juillet, au CNH rivé découvrir 82 morts violentes. Et parmi 82 morts violentes, ça y est, gagné yon policier, 8 femmes, yon garçonnet, yon fillette, et puis gagné 9 moun selon population qui fait partie de groupes armés et population et rivé lynché moun sa yo. Nous croyons dans toute société, l'État,
li doué travail pour garantir droit chaque citoyen, surtout dans la question sécurité. Et c'est pour ça, au CNH, a continué à demander à l'État haïtien pour prendre des dispositions nécessaires et appropriées pour poser des actions concrètes dans le souci pour garantir sécurité chaque citoyen. Côté qui gagne insécurité, pas gagne progrès, pas gagne développement. Et si nous voulons arriver sur le progrès, arriver sur le développement, c'est extrêmement important pour acteurs concernés prendre disposition pour garantir sécurité chaque citoyen. Docteur Fay, Jean-Claude Gabriel, Actigason Liou, Benz Gabriel, bandit est kidnappé dimanche 23 juillet. Eh bien, action ça qui t'est passé dans la localité Bélanger, dans la commune Cabaret, mouri assassiné d'après déclaration Madame Nikise Chantal Gabriel, malgré famille déjà bail 1 million goud pour libérer yo. An koute Chantal Gabriel, Namiko correspondant nous Pascal Fleuristil, depuis arrondissement Akaye, kap di nou plis. Il est vrai, il prend 2 moun à 2 heures du matin, dans dimanche là. Là, on finit de à la veille, tout est allé, nous avons perdu 9 téléphones en dedans, et puis tout moi-même, nous avons pris les sous-téléphones, nous avons toujours absent, nous toujours absent. Et je toujours fait me connaître, je dis moi ça, mon yo là, c'est pour me bailler l'argent. Je fais me voyer 15 000 dollars, je dis pas de manger pour me bailler mon yo, je ne voyais pas mon tâche. Je me fais voyer, je pense que je vais me pas de quoi dans mon yo parce que je dis que j'ai plusieurs téléphones. Téléphone, je dois perdre du monde, je fais comme. Et bien, on est jeune au monde, c'est que je vais chercher mon yo pour nous. On peut avoir 1 million de gouttes. Après ça, on y a là les vignes, les démonios pour lui. C'est du mot là, il faut attendre comme l'Albaïli. Si on tue les démonios, on y a là. On y a là. Mais les démons qui sont toujours après les mêmes, quand ils sont les mêmes, 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 ils sont les Je ne vais jamais faire parler avec un seul jour même. Je ne vais jamais faire parler avec un seul jour. Je ne connais si on l'a, si on ne parle pas, et bon Dieu, bon Dieu. Un monde qui t'a dit, libéral, cherchez-le, libéral, gardez côté le jeune homme, le jeune homme. Oui, pour être libéré, il n'y a pas bon frère, il a dit, Coordonnateur plateforme organisation pour libération sociale dans la Tibonite, Mécène Saint-Just, mandé gouvernement Ariel Henry pour pencher pressé sous situation malouk population la Tibonite a vive dernier temps yo si tout problème insécurité. Activiste politique là bay premier ministre Ariel Henry 3 jours seulement pour joindre une façon pour résoudre crise département sinon pita pral pitris. Nous invité ou écouter un bout dans déclaration nan micro Mackenzie lui depuis Gonaïve pour tax 509. Comme ça, nous, quatre, émergence patriotique, université, Coremas, applaudit, force tout le monde. Dit non, la Tibonite pas de et Haïti pas de tout. Peut-être ça. Nous réunis la presse par les yeux et télévisés. Nous faisons payer Ariel Henry Fondin, la Tibonite abdomine. Comme ça à toute organisation. La Tibonite qui lui, pas de mandat à aucun dirigeant, malachon, militant et dirigeant chapel. C'est aucun accord pour lui. Les Parisiens déjà signé un accord, c'est une constitution. Dans ce sens, on a demandé à Ariel Henry pour que vous voyez un représentant immédiat
dans la Tibonite pour venir discuter des problèmes de la Tibonite. Après 72 heures, si les décisions ne sont pas respectées, eh bien, pour qu'il n'y ait pas de plus, la différence est là, soit dans le droit de la population. Et je vous dis encore, ensemble d'organisations de la partie politique, ça, qui est responsable de ça, je dis que je ne parle pas aucun dirigeant. Les dirigeants peuvent faire, quel que soit le niveau, parce que la population déjà a une constitution signée, c'est une vraie apport. Gagné coordonnateur général observatoire haïtien droit moun, M. Jean-Ronel Sistanis, partage l'idée pour gagner une force multinationale en Haïti, parce que Haïti fait partie des membres de l'ONU, militants droit moun, qui mettaient en doute mission ça, pour apporter résultat toutefois, estimé Kenya bien. Préparer psychologiquement et techniquement pour aider Haïti sortir dans crise là. Jean-Ronel Sistanis t'a parlé dans micro tak 509. Nous appuyer une intervention de nos forces multinationales parce que c'est un bagage légal. Lorsque nous disons légal, nous référons dans le texte de la Charte des Nations Unies. Haïti, c'est membre fondateur des Nations Unies. Et nous pouvons voir dans la Charte des Nations Unies et que chaque pays qui est en situation de chaos et situation difficile capable de faire demande d'une intervention en force internationale. Donc c'est pourquoi nous justifions l'intervention ça par le fait que l'illégal. Mais parallèlement, nous venons en tête, nous avons tête pour nous dans le pays, que lorsque mission ça a fini, nous pas réellement fait du bagage pour que nous ne pas tourner dans l'autre temps. Ouais, c'est ça, nous gagnons comme tout, mais il est clair que le droit international justifié dans le genre de situation actuelle, présence d'une force multinationale. Donc du coup, nous-mêmes, nous croyons que et le Kenya capable de proposer la diriger force et de force ça. Et nous, en même temps, nous pensons que c'est au niveau société, les gouvernants qui peuvent accompagner la force ça, permettre que le bail résolve. Même pas, c'est au contraire, crise politique Kenya, capable d'un avantage que tu as inconvénient pour nous. C'est-à-dire, si tu as habitué à prendre des situations qui sont en règle, je pense qu'il y a mieux préparé psychologiquement et techniquement pour aider nous. Parce que je ne sais pas quoi, je dis à la, le Canada qui a la police et l'armée, mais comme son pays qui est stable, donc du coup, je ne sais pas quoi, un policier canadien qui a pied une casque pour un policier kenyan et qui t'a cabiné dans la situation qui est là. Moi, je crois que par rapport à l'idée que Kenya, son pays, il y a un pile problème pareil à Haïti, ça fait que les policiers sont mieux armés, pour être capables de comprendre sa capacité là pour aider de la. Et n'est pas occupation dans le sens que nous sommes le droit international justifié. Si pas aucun texte légal qui justifie, nous n'est capable de créer l'occupation. Comme il y a un texte qui dit, donc en chaque Nations Unies, dans l'article 39 à 47, il présente dans le cas ça, nous sommes capables de faire une force étrangère, ça fait nous-mêmes nous justifier, parce que bon texte qui dit ça, nous sommes capables de tout sous résultat, et ils sont sans travail. Mais par rapport à la légalité, on pensait que les textes qui justifient son bagage qui est légal n'est pas contraire au droit international. Pas occupation. Occupation, c'est lorsque un pays décidé et sans mission, et sans appel, d'abord, les villes et interviennent la caille. Mais comme c'est d'abord le gouvernement haïtien qui fait demande là, et demande là, il est justifié par l'international, donc du coup, pas qu'à occupation. Général Front National, organisation résistance pour yon Haïti stable et démocratique, Rosemont Jean, dénoncé campagne cap fait pour montrer nécessité intervention yon force étrangère dans le pays d'Haïti pour Rosemont Jean, débarquement force multinationale ça pas pral résoudre crise cap bouleverser pays. Au contraire, c'est crise yo qui pral augmenter pour intervention capable toujours gagner mise sous pays. An koute Rosemont Jean qui te parle dans micro tak 509. Pay cap fait là où est tout moun a parlé côté Haïti pas capable pour Haïti, c'est occupation, son force et étranger qui pour venir pour retirer nous dans ça. Mais c'est une préparation yé. Yo prépare nous psychologiquement pour c'est ça nous mandé. Pour qui ça jodi a dans toute grande émission qu'a fait dans ces gros médias pas de débat qui fait pour qui ça l'état ici refuser créer une tax force entre l'armée la police et même âge de ceux qui n'ont cap sécuriser et protéger
BESAP qui a un pile ancien militaire qui a une formation pour qui ça pas font tax force côté dans cadre opération ou pas fait non quartier non zone contre bandit côté 200 300 500 nègres débarquer dans périmètre ça. Est-ce que nous comprenons si demain matin il y a une opération 500 700 hommes un squad débarquer dans vite dans quartier vite l'homme. Ce n'est pas 10 policiers, ce n'est pas 5 policiers, ce n'est pas 15 policiers sous des blindés. N'importe opération qui a 200 300 hommes armés de galil, de haches, de manchettes, de marteaux, de birin, de lance de lance à gaz, de sanuele, grenades à fragmentation, mener opération village de soit village de Dieu ou bien d'Orsel. Je vais nous garantir, monsieur, qu'il y a sorti avec, soit il y a sorti avec vite l'homme vivant, ou bien il y a arrêté. Pourquoi j'aime aucune opération que la police, l'armée, mettent ensemble pour te montrer qu'ils ont de bonne foi? Comment pour une institution, ils refusent d'utiliser ces institutions, ils refusent d'avoir institution les moyens pour agir, et puis tout le monde, à travers les médias, radio, opinion, salle, l'État, yo tout a dit la police pas capable, l'armée pas capable, faut que c'est étranger qui vient là. Vous devez comprendre, si les militaires ont essayé dans l'opération, ou bal toute l'attitude possible, ou bal moyen, ou prend police à même gens, ou équipé avec ensemble des salles besoin, qu'on y a mettre dans l'opération, qu'on y a ou malgré ça pas de résultat, vous devez comprendre. On est pour m'app chercher l'autre alternative de renfort. Alternative m'app pour me chercher, c'est pas alternative pour me retirer pour caser ça comme institution, mais c'est des alternatives pour me venir renforcer ça comme institution. Monsieur dame galdi nous quand même. Ça Ariel Henry fait avec ministre défense. Et nous mettre al men enquête pour nous ouais, ça m'a dit nous. Mais bon Dieu, tentez-moi, c'est bon, faut lui parler. Gagnez, messieurs militaires, les anciens militaires, qui formaient pour ça, qui prennent formation, ce n'est pas l'État ici qui forme, ce n'est que tu prends formation en Israël, et pour que la caserne de Saline ait fonctionné. Quand tu prends formation dans ça, il y a les guerriers urbains. Ça veut dire, soit vous évitez l'homme à faire là, c'est rallié. Soit vous évitez l'homme à faire là, c'est rallié. C'est de mon formation. Ça veut dire moi-même qui parle avec nous là. Si l'État, demain matin, dit l'a engagé seulement 300 militaires, anciens militaires, pour village de Dieu, nous avons 3 à 4 semaines pas guéris au village de Dieu. Si l'État, si Ariel Henry, avec Enol Bito, c'est pas Yop de chef gang, parce que Enol Joseph Bito, qui n'a tête ministère de défense, tout le monde connaît son ancien chimé la balasse. Tout le monde connaît son acte de problème à l'armée. Son acte que l'armée calé. Si l'armée calé, comment Kavin mette jodi à ministre de défense l'armée? Quand il y a une gauche répite entre lui-même et les anciens militaires qui étaient dans l'ancien armée. Pas sous base règlement de compte. Monsieur refuse de engager nos batailles pour mettre la paix dans le pays. Quand il y a pour chercher Kenya, il y a parlé de toute langue avec unique objectif. Nous avons des problèmes avec la messe, nous ne pouvons pas quitter le frapper là et puis pour venir prendre gloire sur nous. Mais c'est ça qui est là. Quand il y a qui ça et non bito entendre avec Ariel Henry et l'ambassade américaine, ils ont fait un recensement pour recenser tout ancien militaire ça. Puis vous avez l'autre, puis vous avez une pension. En comprenant, vous avez 4 ans encore, vous avez toute pension. Il a fait 2 mois de paye, après 2 mois, il a coupé chèque. Et puis vous avez le reste des policiers, le reste militaire, jeunes qui fait sur ton équateur, vous avez le formé, vous avez les gendarmerie avec. Vous avez dit, monsieur, craser la médaille. La médaille, c'est toujours à craser. Moi, vous avez le militaire qui n'a pas d'Ariel. Comment pour militaire, ou n'a pas d'Ariel? On a deux ministres de défense, on a deux ministres intérieurs, on a deux ceci, on a deux cela. Alors que vous constatez qu'il y a fait complot contre vous, ou parlez-vous matou marine, ou mettez-vous, ou dites-nous, venez chercher, mais quand vous mettez-vous pour nous.
Pourtant, dans toute rencontre, Ariel Bralé, c'est militaire là avec lui qui a sécurisé. Alors que dans toute rencontre, c'est de rencontre contre l'armée, contre militaire. Et qui est-ce qui est dans le dos? Militaire. Comment militaire? Comment moi-même, comme citoyen, pour m'accepter, je pourrais chercher une force d'occupation. Attendez, force qui a fini là. En plus, mon appel loge, en plus, mon appel bravo, il y a tant de blancs, il y a tant de Kenyans, il y a tant de. Comment dire, je viens, oh, il y a une case de gang pour nous. Il y a une case de gang pour nous. Parce que projet blanc, ce n'est pas case de gang. Projet blanc, regardez sous page, nest qui représente le secrétaire général OEA, regardez ça l'écrit nos notes, ça l'écrit nos communiqués. Projet, nest qui est puissance, c'est jouer nos côtés, c'est jouer nous ensemble des pays pour évacuer Haïtiens sous sol ça. Retirer Haïtiens de là, voyez nous l'autre côté, dispatchez nous l'autre côté, et puis pour prendre zone pour industrialisation. Puis on vient faire industriel. Je dis Haïti son zone que vous décrétez zone d'industrialisation. Puis on vient industrialiser zone. C'est industrie à venir mettre dans toute zone Haïti. Parce que par rapport à sa pays, n'ayez décidé zone ça, c'est zone réserve. Les États-Unis décident Haïti, c'est réserve li. Ça veut dire même l'autre de Kenya, l'autre de toute sa capinia, n'a pas pris balle pire. Nous, écoutons, nous prenons balle. Parce que, ou pas de aucun côté pour porter plainte, les ministres là, si un soldat ministre font bagaille, ou pas porter plainte, n'est-ce pas? Les ministres là, en choléra, eh bien, n'allez pas porter plainte devant. Devant la Sosini, on l'a dit, il y a fini, je dis, force cap fin là, c'est une force qui cap fini, qui pape des chapeaux onisiennes. Ça veut dire n'importe massacre qui fait là, ou pas de recours, ou pas de côté pour voter près contre soldats occupants. C'est ça, il y a annoncé. Observatoire haïtien droit moun lancé mercredi 2 août 2023 yon projet qui visait renforcer capacité ak autonomisation 22 organisations femmes à travers sexiel dans département l'ouest nord ak la Tibonite. Projet ça joine support programme Nations Unies pour développement dans pays d'Haïti PNUD. D'après coordonnateur général observatoire haïtien droit moun M. Jean Ronel Sistanis qui plaide en faveur respect droit femme travailleur sexuel yo. Met Sistanis encourager tout moun pou yo jouer rôle yo comme ça doit dans société a pendant le mandat des populations pour continuer forcer l'état travail sous question respect droit moun. Entendez-le yon deuxième fois. L'observatoire haïtien des droits humains ODH avec accompagnement financier programme Nations Unies développement Haïti. Lancer un projet de formation pour l'organisation femmes avec les travailleuses du sexe. Ils sont catégories que yo méprisé en Haïti, yo maltraité et nous senti que il commencé à gagner de changements en ce sens que il y a des pays qui pas de reconnaître mon ça qui habite cette activité ça comme un métier à part entière mais gagne en pile évolution en ce sens que je commence à comprendre que les travailleuses du sexe, nous avons généralement en position, c'est des gens qui créent leur propre activité par eux et en pile là-dedans, sentir à l'aise là-dedans, ils peuvent regarder ça comme métier. Par exemple, on peut dans la France, eh bien, activité ça légal en France. Mais en Haïti, les gens qui travaillent du sexe, c'est des gens qui sont discriminés dans la société. Donc, nous pensons que des formations pareilles à permettre que nous outillions ouais, des moyens qui permettent que nous défendions les droits, nous revendiquions les droits, parce que nous devons bénéficier de ce qu'on appelle le droit au respect à la vie privée. Droit ça permettre que chaque monde exerce une activité pour que senti la l'aise dedans. Donc, c'est dans le cadre de ça, je vous dis, nous faisons une formation ça. Nous faisons une formation surtout pour l'organisation femmes qui habitent de travailler avec nous. Je dis à nous bien là 8 organisations à raison de 3 membres par organisation qui prennent formation et qui va faire suivi avec Mounsa qui ce sont les travailleurs du sexe. Formation générale sur qui ça? Formation générale sur les droits humains, autonomie, cadre juridique et prévention VIH/SIDA. Droits humains, c'est à
C'est-à-dire que c'est pour un texte et instrument, apprendre mesdames yo, qui doit y gagner, en façon pour pouvoir mieux défendre le droit ça. Donc, il y a SIDA, dans un cadre d'exercice métier, ça qui est là dans le eh bien, il y a des risques liés à ça, capable de prendre maladie et sexuellement transmissible. Donc, du coup, nous avons des gens qui s'expérimentent dans le domaine, qui sont capables et qui sont là pour accompagner, yo, pour aider, yo, comprendre qui peut question qui est de prendre dans le cadre d'exercice d'activité, ça qui c'est travail, c'est que je prends un témoignage pour exploiter, abuser. Et ça peut nous estimer que des formations pareilles permettent que nous mieux qu'on est droit, nous sommes capables de mieux défendre. Et la police, tout comme souvent mal pour prendre, il pense éventuellement qu'il y a des formations avec les policiers tout, qui pour comprendre que mesdames et messieurs, c'est un choix qu'ils ont fait, un choix des métiers, notamment tu as pour avocat, pour ingénieur, pour médecin, etc. Donc du coup, la police doit accompagner plutôt dans l'exercice du métier ça que vous avez fait. Les départements d'Ouest, les pour la Tibonite et dans le Nord. C'est qu'est-ce qu'il a fait pour mesdames et messieurs la formation? Donc suivi à et dépend de plusieurs facteurs. Il dépend que si vous avez une activité, il y a un accompagnement pour être capable de faire mieux. Qui sont des accompagnements? Des accompagnements techniques. Donc, il dépend de tout si vous n'avez pas la donne pour orienter vers d'autres activités. En fait, ce n'est pas dans le cadre pour encourager, vous avez la donne. Et sans question qui quand même est complexité. Et c'est pourquoi nous avons un cadre de formation ça, sociologue qui a intervenu tout. L'un des complexes, c'est dans le sens que il y a des gens qui sont obligés la donne par rapport à sa situation donnée. Mais il y a des gens qui ne sont pas sur des qui font ça comme métier, un choix des métiers. Donc c'est-à-dire qu'il faut pour chaque catégorie qu'on voit comment on va traiter par rapport à la question, par rapport à qu'il y a environ 150 000 à travers le pays. Directrice exécutive réseau Femme Nipla, Lila Zéphiré Soubopal, regrette mauvais traitement et bien travailleur sexuel yo absibi. D'après Madame Zéphiré, tout le monde doit exercer métier à profession qui n'a niveau ak compétence. Li mande l'État pencher sous situation catégorie Femme sa yo. Lila Zéphiré, nan mi contact 509. Donc, moi, je participe à la formation avec un sentiment de satisfaction en tant que une femme qui est engagée dans la bataille pour faire promotion pour respect de l'homme dans le pays. Donc, moi, j'estime que si chaque organisation, droits humains, ONG, organisation femmes et autres, prennent l'initiative pour faire formation, pour renforcer la capacité de formation, capable de vivre dans le pays, jeunes, tout. Donc, je pense que je dis, on paquet de situations qui que la victime de l'homme dans le pays, nous ne pouvons pas être victime de l'homme. Je vais gagner une formation visée, mesdames et prostituées. Est-ce que vous estimez que mesdames Sao est des protections tout? Bon, en fait, oui. Les travailleuses de sexe, c'est le monde qui est victime en pile dans la société. Parce que yo victime, parce que yo pas kon loyo, gen de moun ki kon ki fin servi avec yo, ki pa paye yo, ki bat yo. Et en plus yo victime tout parce que yo atteint de maladies sexuellement transmissibles, c'est parce que yo pa konnen loyo, yo pa konnen, yo pa formé pour yo capable protéger tout yo pendant que yo même y a cherché la vie. Ou même nan ka travay pou, nou kon jwenn des cas. Bon oui, en fait, dans le cadre de travail, nous souterrains, nous conjoignons en pile cas comme ça, surtout dans le champagne et puis dans notre département, nous avons capable de faire nos belles 10 ans, côté que un paquet de monde qui vit pêcher 10 ans dans le département, le sabou je travaille des sexes placés, nous venons dans l'UEA, même tout, les messieurs finissent pêcher. Yo fin vann produit et puis yo même pour yo capable bénéficier de moyens donc c'est travail yo c'est un droit que yo gagne yo même yo doit vann corps pour yo capable manger mais pour tête ça yo pas obligé victime de violation de droit yo pas droit battre yo pas droit fin utiliser pour pas payer donc nous même dans ce ça nous fait un pile travail de promotion nous fait formation nous fait sensibilisation dans communauté pour tout le monde connaît que tout le monde c'est on a ligué en droit, il faut que doit yo respecter et faire de travail avec la justice tout les par exemple les gens de Kassaïe continuent la communauté pour la justice capable de trancher
parler parce que moun sa yo c'est moun faut doit yo protéger et faut la justice tout bay moun sa yo justice les et qui côté yo apprendre métier ça s'il vous plaît bon on quitte ça là pour pas faire. Ministre Santé Publique ak population en tête collée ak pays Japon signé mercredi deda out la yon accord pour reconstruction ak réaménagement 400 santé dans grand site pays a précisément dans commune Mani Chantal Camperin ensemble avec Saint-Louis. Projet sa kap exécuté sous yon période 36 mois joine financement pays Japon ak programme Nations Unies pour développement. Donc, frères et sœurs bien-aimés, pour yon valeur de 400 millions de dollars américains, d'après ministre Santé Publique et Population, Dr. Alex Lassen, qui annonce travail à démarrer dans un petit temps qui pas trop loin. Titile MSPP a rappelé déjà une intervention qui fait pour Centre Santé 4 chemin au Kaila dans le département Sud capable de servir habitants yo. Alex Lassen, pour plus de détails. La réunion de ce jour, c'est un accord que nous venons de signer pour la construction et l'aménagement de 4 centres de santé dans le Grand Sud et surtout dans le département du Sud. Cet accord est financé en grande partie par le Japon et aussi par le PNUD. Nous avons eu déjà des catastrophes dans le pays. Pour l'intervention immédiate, nous avons eu beaucoup de soutien, mais après la phase aiguë, en général, les soutiens nous manquent, pour ne pas dire que quelquefois nous laissent tomber. Et nous faisons maintenant une autre expérience. Après le tremblement de terre du 14 août 2021, le Japon et le PNUD sont intervenus et nous allons pouvoir réparer les 4 centres de santé dans le sud du pays. Mais déjà, une première intervention a été faite pour le centre de santé des 4 chemins au Bénin. Le centre de santé est terminé et fonctionne normalement. C'est Mani, Camperin, Chantal et puis Saint-Louis. Il faut quand même les appels d'offres. L'argent est là, disponible. Le montant se situe à près de 4 millions de dollars. Le projet, en principe, peut-être pas, la construction ne démarre pas tout de suite, mais le projet commence dès aujourd'hui. La durée du projet, c'est 36 mois à partir d'aujourd'hui. Nous espérons fortement que des problèmes sécuritaires ne viendront pas retarder la finition du projet. Niam, niam, niam. Nous remets si aide nous. Et puis, madame Salarian pays a fait, je ne sais pas, 400 millions de dollars avancés pour 4 hospitals. C'est tellement cool, la santé, c'est richesse. Représentant résident adjoint programme Nations Unies pour développement dans le pays d'Haïti, Makta Fol, eh bien, Soubopal fait qu'on est, après passage tremblement de terre 14 d'août dans divers départements dans le pays, divers départements dans le pays d'Haïti dévastés, particulièrement Grand Sud. Dès l'année après, Makta Fol mettait accent sur l'importance de la santé gagnée dans la vie monde qui dit qui méritait de jouer une intervention rapide pour monde qui n'a nécessité capable de jouer un bon genre traitement. Donc, frères et sœurs bien-aimés, li fait qu'on est tout de suite après appel d'offre, yo travail yo pral démarrer pour mettre centre santé au campé en tandil. C'était un honneur pour nous ce matin de signer cet accord avec le gouvernement qui matérialise le démarrage du projet. Nous savons tous que le tremblement de terre de 2021 avait fait peut-être des catastrophes et avait touché beaucoup de secteurs, et particulièrement le secteur de la santé. Et nous savons tous ce que la santé représente dans la vie humaine. Si on n'a pas de santé, on ne peut pas parler de développement. C'est une première étape d'avoir choisi ces 4 centres de santé qui vont être reconstruits et équipés. C'est important de le souligner. Et tout à l'heure, même dans les discussions, on était en train de voir comment apporter des innovations en utilisant éventuellement la télémédecine pour permettre aux populations de pouvoir bénéficier de soins de qualité. Donc le PNUD en tant que partenaire a en charge la mise en œuvre du programme, tout ce qui est construction, tout ce qui est achat d'équipement, tout ce qui est formation, tout ce qui est renforcement de capacité. De ce point de vue, nous allons mettre en place des dispositions pour le démarrage immédiat du projet parce que nous savons tous que depuis 2021, ça prend un peu de temps. Donc, nous allons démarrer des activités dès que possible avec les appels d'offres qui vont être lancés pour les constructions, les appels d'offres qui vont être lancés pour l'achat de matériel et des équipements. Donc, c'est un début pour au moins ces 4 centres de santé et nous espérons avec le partenariat déjà très développé avec la coopération japonaise, d'autres centres de santé ou bien d'autres équipements pourraient être achetés pour d'autres départements. Fondation
population tout pour yo présenté mercredi 2 août là rapport financier sous période 6 juin au 23 mai 2023 dans quatre projets construction yon stade dans commune Croix des Bouquets phase architecturale là qui coûtait plus passé 3 millions de goudes fini pour attaquer phase financement d'après responsable tout pour yo Patrice Dumont qui espérait l'État jouer un espace pour projet à capable réaliser. Ancien sénateur qui expliquait difficulté li rencontré pour y arriver faire face à miser sous support tout le monde dans pays à coup à l'étranger pour rêve ça capable yon réalité. Sénateur a fait stade pour les enfants. Bravo sénateur, a un problème à la traka pour la vécaïté papa. L'autre semaine ou elle des candidats à la présidence, son petit pays comme ça. En tout cas, j'aime toujours aimer dire Haïti dictature, l'appel des anti Haïti démocratie, la république des coquets, celle volée au caprété qui vivra verra, qui mourra kakara. Moi je merci parce qu'on t'a suivi avec attention, merci pour fidélité ou avec patience ou. Moi pralé m'a quitter ou nan bra papa mon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas c'est Foucault. Rendez-vous cassé pita 7h pour une autre vidéo. Mouah. Bisous bisous one love.